Deuxième match consécutif à domicile en Ligue 2 pour l'Estac. 3 8e accueille Le Havre 15e. Ça s'était mal passé la dernière fois pour les Troyens. Battus 2-1 par Tours sur leur terrain. Ils veulent absolument ne pas revivre la même mésaventure des Troyens, pourtant privés de Ndiaye et surtout de Justin Gimbert, tous les deux suspendus. Côté Havrais, seulement 2 défaites à l'extérieur, mais aucune victoire pour 6 matchs nuls. Des Havrais qui espèrent obtenir au moins un point à l'extérieur. Et ce sont les premiers à se mettre en action avec cette frappe sauvée par le gardien troyen. Deuxième possibilité toujours pour les Hauts-Normands, avec un coup franc qui passe au-dessus, mais de bonnes intentions à l'extérieur. Le Hack paraît en forme et continue à se montrer à l'attaque contre des Troyens particulièrement éteints. Une attitude surprenante à la mi-temps, 0-0. Et les Troyens n'ont pour l'instant rien montré. Troyes n'a gagné qu'une seule de ses 4 dernières rencontres et inquiète un petit peu. Les Havrais vont essayer de profiter de cette situation, pourquoi pas sur cette ouverture, avec un joli crochet et la frappe victorieuse de Mickaël Le Bihan. 57e minute, un très joli travail d'une des recrues havraises cette saison. Il inscrit son 3e but et le Havre mène 1-0 à l'extérieur. Des Havrais qui ont gagné leur dernière partie après 7 matchs sans victoire. Il y a du mieux pour eux, c'est très net et ça se confirme sur ce match. Troyes avec ce centre montre enfin quelques possibilités d'égaliser. Cette reprise de la tête est beaucoup plus intéressante, mais c'est sauvé sur la ligne. Les Stack se réveillent, mais peut-être un peu trop tard. Ça pousse en fin de match avec ce nouveau ballon récupéré. Et une intervention musclée de la défense havraise qui ne donne pas lieu à un pénalty. C'est bien le ballon qui est taclé, même si au passage le joueur havrais tacle 2 adversaires et les met au sol. Encore une chance avec ce ballon à bout portant, mais Zachary Boucher peut se saisir de la balle sans trop de soucis. Les Havrais ont bien résisté jusqu'au bout et réalisent une grande performance. Ils gagnent 1-0 sur la pelouse de Troyes. Première victoire à l'extérieur de la saison pour le Havre et deuxième défaite à domicile consécutive pour les Stacks. Victoire du Hack 1-0.